Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous, les avocats, on ne pourrait pas se mettre d'accord avec les grèves. Parce que vous savez que quand il n'y a pas d'activité dans l'enceinte de la justice, ce sont les dossiers qui sont en souffrance. Et client fait pression sur nous, la préline à toutes les heures du jour de la nuit pour savoir à quelle phase se trouve leur dossier. Et on est d'accord avec, donc, leur grève là, nous ne pouvons absolument rien faire. Syndicat, parce que je viens de m'entretenir avec un greffier, on m'a appris que ce n'est pas syndicat qui en grève. C'est une association des greffiers qui a lancé le mot. Mais ce n'est pas tous les greffiers qui se sont mis en grève. Et après, moi-même, nous sommes à assistance là et à trois prisonniers politiques par devant le magistrat Chanlat. Ouais, donc c'est pas tout greffier qui est en grève. Mais Jean M. Abdoula, pour répondre sincèrement, pour répondre en toute honnêteté professionnelle et intellectuelle à la question que vous m'avez posée, nous n'avons jamais d'accord avec grève parce qu'on connaît que. Et nous-mêmes, avocats, c'est des exercices profession que nous vivons. Donc, c'est quand il y a activité dans le tribunal, il y a possibilité pour nous bailler clients et satisfaction. C'est dommage que c'est observé, nous là, que nous avons observé état ça, état de grève là, et parfois. Histoire ça, de répéter souvent la justice haïtienne. Tantôt, ce sont les magistrats debout qui se mettent en grève. Tantôt, ce sont les magistrats assis qui se mettent en grève. Tantôt, ce sont des greffiers qui se mettent en grève. Donc, parfois, tout conjoint et la paralysie de l'appareil s'explique par un conflit existant entre des magistrats et le barreau. Il y a un peu de temps là, m'a souffri, moi, en tant qu'avocat. Et parfois, j'ai des difficultés pour me décrocher et appel et client qu'après souvent pour qu'on ait. Parce qu'on va comprendre, client lui, il n'a pas étudié le droit et il ne sait pas que c'est l'État qui doit contribuer à la bonne marche de la justice. Ouais. C'est-à-dire, il y a des méandres, il y a des sinuosités qu'on ne peut pas expliquer aux clients. Parti plateforme nationale secteur populaire haïtien, nous avons toujours dit le phénomène insécurité qui a continué à mettre de l'eau, manger la famille haïtienne, ses conséquences, mauvaise gouvernance, ses conséquences, injustice sociale. Ses conséquences, mauvaise répartition, richesse pays. Ceci depuis 217 l'année. Ses conséquences, haïtien parle chita, dialoguer avec haïtien pareil. Pour vider contentieux historique, pour vider contentieux politique. Ses conséquences, haïtiens qui refusaient
cultiver, vivre ensemble, avec dialogue. C'est raison ça qui fait aujourd'hui la population haïtienne ni en proie, ni victime à phénomène insécurité pendant dernier temps. Mais pendant que nous constatons qu'il y a des efforts à faire au niveau police nationale là, au niveau autorité pour rétablir un climat sécuritaire. Plus pas, nous sommes un parti politique qui prend la démocratie comme cheval de bataille. Nous croyons que, comme démocrate, c'est à travers l'élection pour nous arriver à accéder à pouvoir. Nous croyons que c'est à travers l'élection inclusive, élection démocratique, élection transparente, pour nous arriver à renouveler personnel politique pays. Dans ce sens, PLASPA a préparé pour nous participer dans la prochaine élection à tous les niveaux. Mais nous avons profité de l'occasion pour nous exhorter chef l'État pour lui continuer inviter tout acteur de pays pour le prochain dialogue. Un dialogue qui permet nous mener pays dans des élections qui pas contestées. Des élections qui pour permettre à ce que nous renouveler personnel politique pays pour nous renouveler parlement haïtien, le parlement qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale. Il est clair pour nous tous, n'a place pas qu'à revendiquer la réforme de l'État, qu'à revendiquer l'autre l'État, l'État qui nous est tout haïtien, l'État qui nous étendre tout haïtien, l'État qui nous protéger et servir tout haïtien, il est clair pour nous, l'autre État ça que nous prenons dans la place par, nous n'avons pas arriver à construire sans une nouvelle constitution, parce que la constitution 1987 là, c'est la principale source d'instabilité politique en Abéia. Constitution 1947 là, il mettait trois pouvoirs dos à dos. Constitution 1947 là, il divisait le pays, il divisait le peuple haïtien. Là pour cet exemple, article 134-1, maman loi pays, il dit mandat présidentiel là, c'est 5 années. Commencé 7 février, date que président qui est élu après récemment, elle finit 7 février, 5e année. Nous tous connaissons que le président République a prêté récemment 7 février 2017, 7 février 2022 a fait 5 ans. Mais pas de petit monde qui fait sortir dans le kindergarten a fait un petit calcul mathématique. 2017, 2022, ça fait 5 années. Alors que dans la même constitution, ça a l'article 134-2 qui dit le contraire. Bon, deux articles ça suffit pour que les Haïtiens comprennent que le pays a gagné une autre constitution. Deux articles ça suffit pour mobiliser toutes 11 millions Haïtiens, ni Haïtiens qui n'ont pas vivre le pays, ni Haïtiens qui n'ont diaspora, pour finalement nous doter le pays de notre constitution qui cadrait avec la réalité sociologique nous, qui cadrait avec mes nous, qui cadrait avec coutume nous, une constitution qui est capable de créer harmonie et qui est capable de faciliter harmonie au niveau de la société haïtienne. Vraiment préoccupé par la situation de dégradation sécurité dans Belè ak zone qui entoure lui. Action internationale droit moun AIDH constaté
Malgré visite directeur général police nationale la te fait dans Belin, pas gen rien qui change. Population a toujours en otage et ou pas contre qui sain pour yo rele. Jusqu'à présent, l'école, l'église, commerce et marché public yo pas fonctionné. Habitants et fermé tout habitant ou fermé porte yo et al prend refuge l'autre côté. Action internationale droit moun AIDH a souligné pour tout le monde pas gen ni patrouille policière fixe ni mobile dans Belin. Zone yo toujours barricadée et c'est fatra qui a fait moun explication. Action internationale droit moun AIDH a condamné agissement cruel groupe Améo qui dispose gros armes la guerre pour exercer forfait contre une population paisible et sans défense. Action internationale droit moun AIDH a dénoncé passivité gouvernement Moïse Joutla qui jusqu'à présent pas réalisé pièce action concret pour arrêter chef gang et traîner yo devant la justice. Action internationale droit moun AIDH a rappelé article 3 déclaration universelle droit moun nan qui dit tout individu gen droit pour vivre pour gen liberté ak sécurité. Constitution haïtienne dans article 19 li dit l'état gen pour obligation garantir droit pour vivre droit pour gen santé à tout citoyen sans discrimination conformément à déclaration universelle droit moun. Face à situation ça action internationale droit moun AIDH a fait gouvernement Moïse Joutla quelques recommandations. 1. Mettez sous pied patrouille fixe et mobile dans centre-ville, particulièrement Belin et zone qui est entourée. Il y a une façon pour la population de reprendre l'activité comme ça doit. Deuxièmement, arrêtez et jugez responsable groupe armé qui a tiré les gens et violé les femmes sans qu'elles sautent. Troisièmement, organisez fouilles élaborées, intervention policière sans attendre et perquisition professionnelle. C'est quelques mesures qui t'a dû prendre pour ramener calme parmi la population. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babis à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.